Bonjour à tous, j'ai reçu la Little Box du mois de juillet. Donc elle est là, je vais l'ouvrir de ce pas. Oh, magnifique, magnifique. Donc la boîte est comme ceci, avec marqué coquillage. Elle est belle, hein? J'adore. Donc je l'ouvre. Ça se présente comme ça. Donc là c'est marqué viens, on va voir la mer. Bah oui, on y va, hein. Allons-y. Hop. Donc voilà, viens voir la mer. Ensuite, le petit papier que je regarderai plus tard. Donc là, on a un petit coquillage. Alors, je pense que c'est un... comment ça s'appelle? Un bonbon, vous savez, sucé. Coquillage. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Ça doit être ça. Donc, en forme de coquillage. Ensuite, alors on a une petite boîte comme ça. Donc il y a marqué nuit d'été, photo fort. Ces lampions accompagnent la lune pour éclairer vos nuits estivales. À la lueur de ces bougies, le temps se suspend, la magie opère et on rêve éveillé. Donc il y a un petit scotch. Que je ne vais pas réussir à enlever sans mes ciseaux et je ne sais pas sans là. Hop. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, je pense que c'est des bougies, là, c'est des photos fortes. Des petites bougies. Ah, c'est sympa. Donc, les bougies, elles sont bleu marine. Il y a les petits pics là et une deuxième bougie et il y a une petite qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense que ça fonctionne. Enfin, je regarde, je pense les explications en MS. J'ai deux petits sachets comme ça. Je pense qu'on met la bougie à l'intérieur. Enfin, ça, il y a des trucs comme ça. Faut que je regarde. Je reviendrai dessus après. Ensuite. Ah, il y a plein de trucs. C'est cool. Alors, il y a une petite pochette, la fameuse, le fameux pochon, ma little box, avec les coquillages. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, en fait, j'ai fait une petite pause parce que je voulais absolument savoir comment ça fonctionnait le photo fort. Donc, en fait, ça sert à faire une anse. Ça se met comme ça, là. Pour le petit panier, on met la bougie à l'intérieur pour faire photo fort, mais il faut bien, ils disent, mettre un petit pot en verre pour protéger. Sinon, le papier va prendre feu. C'est pour ça que je me trouvais ça bizarre. Donc, voilà, bon. C'est sympa. Donc, mon pochon, je reprends. Alors, j'ai quoi dedans? Oh, ça va pas mal. J'ai un petit échantillon de gel douche, Melvita, L'Or Bio, douche parfumée, shower gel, qui se présente comme ceci. Donc, voilà. Je trouve ça super joli. C'est le... Je trouve ça super joli. Sont pas mauvais, je sais pas trop à quoi c'est. Je verrai sûrement dans la description. Est-ce que j'ai dans la description? Oh, je vais tout tomber, les amis. Donc, j'ai de l'or liquide. J'ai une petite carte. Hein. De l'or liquide, douche extraordinaire, l'or bio de Melvita. Masse
Mousse voluptueusement et nettoie délicatement en laissant au passage la peau propre et parfumée. Pour sublimer votre épiderme, il fallait bien un quintet d'huile. Celle d'argan du Maroc, du candy d'Indonésie, d'Inca Inchi d'Amazonie, de dattier du désert du Burkina et de baobab d'Afrique sont associés pour nettoyer et assouplir la peau. Une douche à vivre comme un voyage. Ça fait rêver. Donc, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un pot comme ça. Ah, c'est cool. De My Little Beauty, donc la marque de My Little Box. Donc, c'est un gommage au sable des îles. C'est super, hein? Donc, je crois que j'avais une petite carte. Voilà. Donc, un gommage au sable des îles. Voilà. Dans ce pot, du sable blanc des îles sous le vent, du sel marin, des fleurs blanches pour exfolier délicatement l'épiderme. À savourer sous la douche, une fois par semaine, pour une peau douce comme la vie dans un hamac. C'est vraiment sympa. Donc ça, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je l'ouvrirai quand je rentrerai de vacances. Mais ouais, super sympa. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a DHC Coenzyme Cream Q10. Voilà, donc un tout petit échantillon. Alors, vous dire à quoi ça sert, je vais vous lire de ce pas. Donc, c'est tout simplement un antiride. Un antiride engage un bras de fer tout en douceur contre les signes du temps qui passe. Grâce aux propriétés antioxydantes de la Coenzyme Q10, la peau est raffermie, mais pas que. Lisse, douce, éclatante, la force tranquille. Ça, je m'en servirai. Et je vous dirai, enfin, je sais pas si on peut se rendre compte avec des petits échantillons comme ça, mais bon, ça sera plutôt sympathique. Le dernier produit de la box. Alors, c'est pas mal du tout. Donc, c'est une pochette matière un peu bouée, une bouée, donc qui s'ouvre. Hein. Donc, il y a marqué My Little Box, là, il y a marqué Sina Pencil. Voilà. Nap, c'est sieste. Donc, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, c'est une trousse toute simple. Mais, pas que. Parce qu'en fait, elle se gonfle. Et en fait, ça fait un oreiller pour aller à la plage. C'est excellent. Je trouve ça. Donc, il y a un truc pour gonfler là, un truc pour gonfler là. Donc, ça, je pense que je vais l'emmener. Pas forcément pour mettre des trucs dedans, mais ouais, pour me servir d'oreiller de plage. Je trouve ça vraiment sympathique comme tout. Alors, revenons à nos moutons. J'ai reçu aussi deux cartes, comme ceci, donc qu'on peut envoyer si on le souhaite. Et ensuite, la deuxième est là. Voilà. Avec les deux enveloppes. Donc les cartes, je ne pense pas les utiliser, mais... Par contre, les enveloppes, c'est sympa. Toujours besoin d'enveloppes. Voilà. Donc, on avait ça, la petite carte, là, viens voir la mer. Ensuite. Ah oui, donc le coquillage bonbon s'appelle un roux doudou. Je ne me souviens plus du nom. Voilà, un roux doudou. Sucre, sirop glucose, arôme orange et édulcorant. Consommé avant le 30 mars 2019. Voilà. Et voilà. Est-ce que j'ai les prix quelque part? Oui, j'ai quelques prix. Donc j'ai la trousse qui était à 12 euros. Les photophores là à 7 euros. Donc moi je pense que j'ai bien évidemment utilisé les bougies. Mais je pense que je ne vais pas utiliser les... J'aurais trop peur que ça crame là-dedans. Donc ça par contre ça va me servir pour papier, enfin pochette cadeau. Je trouve ça vraiment sympa quoi. Donc voilà. Et puis, donc, l'exfoliant, le gel douche, la crème antiride. Et voilà. Donc, je suis plutôt contente pour cette box. Donc, celle de juin m'a énormément plu. Celle de mai, non. Mais celle de juin, oui. Et la celle de juillet, ouais, je suis contente. J'ai oublié de vous montrer parce que je ne l'avais pas vue tout de suite. Dans le carton, comme ça, là. Il y a une petite étiquette. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire. Je vais vous la lire. Donc c'est marqué, approchez-vous de cette box, collez-la à votre oreille, si vous la collez très fort, peut-être que vous entendrez la mer. C'est sympa. J'entends rien. Donc,
Donc voilà, donc bah, j'espère que l'ouverture de cette box vous a plu. Et puis bah, je vous dis à dans un mois pour l'ouverture de la box du mois d'août. Bisous.